Quoi? Oh! Combien de fois t'ai-je averti de ne pas nettoyer quand je suis à la maison? Oh, tu veux me montrer que tu es travailleuse? Et tu continues? Jamais heureuse dans cette vie. Où est ta femme maudite? Oh, tu es si. Alors, tu as honte de me désobéir? Pour toi! Tu as honte de me désobéir? Je vais te faire la peau! Je vais te faire la peau! Tu es à cause de tous mes malheurs! Tu es à cause de tous mes malheurs! Lève-toi! Lève-toi, je te parle! Lève-toi! Tellement de peine! Petite fille sorcière! Alors, prends cette chose! Prends cette chose et pars de ma maison! Foulecan, enfant maudit! Foulecan! Tu viens chez moi demain? Chérie. Oui, oui. C'est juste que tu me prends de court. Non, pas du tout. Oui, je rentrerai du travail très tôt demain. Je t'aime aussi, Jordan. Ok, bye. Bonjour, Tantine. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fini avec la vaisselle. Il paraît que nous aurons bientôt un visiteur. Es-tu folle? Oh! Quoi? Quelle insolence! Excuse-moi. Alors tu as commencé à te mêler de mes conversations? Malgré ta cécité, tu entends tout. C'est comme ça que tu discutes avec nos voisins? Tu médis sur mon nom, n'est-ce pas? Non, Tantine, je ne suis pas commère. Je n'ai jamais fait de commérage avec quiconque de ma vie. Si tu dis un mot, je vais frapper ta tête contre le mur. Tiote, malchance. À présent, laisse-moi te prévenir. N'ose plus jamais te mêler de mes conversations encore. Me suis-je fait comprendre? Je suis désolée, Tantine. C'est un facteur gênant que ta mère ne t'ait pas bien éduquée. Apporter tes grossières et vulgaires habitudes dans ma maison est complètement inacceptable. Avant que je ferme mes yeux et les ouvre, tu sors de ma chambre. Maintenant. Je suis désolée, Tantine. Va-t'en! Chauve-souris aveugle. Ah, madame Tonya, je suis à ta recherche depuis. Nous aurons un invité cet après-midi. Et il restera avec nous pendant un certain temps. Je ne veux pas voir ta mauvaise énergie, ta malchance autour de nous. Fais-toi rare autant que possible. Me suis-je fait comprendre? Me suis-je fait comprendre? Oui, ma... Chauve-souris aveugle. Chiotte. Qui est là? Tata, c'est toi? Non. Bonjour, salut. Puis-je vous aider? Qui êtes-vous? Je m'appelle Jordan. En passant, je suis un ami de votre tante. Oh, donc c'est vous qu'elle attendait? Oui, juste. Bienvenue. Okay. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ok. Bien, je vais m'asseoir. Et toi, tu vas bien? Je vais parfaitement bien. Ok, d'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tonya. Tonya, moi c'est Jordan.
Antonia, tu t'es déjà réveillée? Oui. Tu ne m'as pas dit que tu avais une aussi ravissante nièce, Tonia. Oui, elle, surprise. Ah. Elle est en fait la fille de ma défunte sœur. Et elle reste avec moi. As-tu salué tonton Jordan? Oui, bien sûr. Ok, alors je vais l'amener à l'intérieur. Okay? D'accord. Allons-y. Tonia, c'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance. Fais attention, merci. Ok? Je reviens très vite. Ok. Ok. Je vais te tuer. Je vais arrête. Je reviens. Ouais. D'accord. Oh. Alors, comment va le secteur bancaire? Ça ne pourrait pas être plus bien que ça l'est actuellement. Mm-hmm. Bien que le marché des capitaux ne soit plus ce qu'il était. Tout à fait compréhensible. Qu'en est-il de toi? Eh bien, je viens tout juste de boucler une affaire pour développer quelques centres commerciaux. Ça, c'est un gros lot pour toi. Merci. Tu sais, c'est ce qu'il en est. Je voulais te demander, ta nièce, qu'en est-il d'elle? Est-elle aveugle de naissance? Eh bien oui, elle est aveugle depuis la naissance. Sa mère, qui était ma sœur aînée, meurt d'un cancer du col de l'utérus après sa naissance, 2 ans après sa naissance. Vraiment triste. Oui, ça l'est. Et ça fait vraiment pitié. Oui. Mais tu sais, Antonia va bien. Je veux dire, elle va très bien. Ouais. Pourquoi tu demandes? Oh, pour rien. Bien, ma grand-mère était aveugle avant qu'elle ne décède. Oh. Oui. Mes condoléances. C'est... Mais tu vois, Antonia va bien. Elle va parfaitement bien. Elle est bien gardée par moi. C'est bon à entendre. Ouais. Mangeons juste et savons le repas. Ta nourriture est très délicieuse. Merci. Merci beaucoup. Je cuisine très bien. C'est pas ma maison. J'ai une maison. Alors, j'y vais et je vais redébuter. Mais tu as promis de passer le week-end avec moi. Est-ce un crime de changer d'avis? Non. Est-ce un crime de changer d'avis? Écoute, je veux pas me disputer avec toi, ok? Tu vas rester et je vais partir. Au revoir. Mais s'il te plaît, je t'en... S'il te plaît, ne pas... Oh Dieu, s'il te plaît. Ne la laisse pas s'en prendre à moi cette fois-ci encore. S'il te plaît, je t'en supplie, mon Dieu. Mon corps souffre. Je ne veux plus de douleur. S'il te plaît. Voici la quatrième fois que je ramène un homme dans ma maison et il finit par me laisser tomber. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à cette diablesse, Tonia, pour mériter ça?
Je la bride. Je la nourris. Je l'habille, mais pourtant elle fait du commérage sur mon nom.